particulier puisqu'aujourd'hui je ne vais pas vous, enfin pour ce tuto je ne vais pas vous parler de maquillage. Je vais en fait vous parler d'une marque de cosmétiques de bain que j'affectionne particulièrement. J'en suis totalement dingue mais c'est un truc de malade et je voulais vous faire partager ça. Je voulais vous inciter à y aller et à prendre déjà plaisir sur le site, à regarder toutes ces merveilles. Et peut-être à commander, et surtout si vous le faites, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tel ou tel produit, parce que là j'en suis à je sais pas combien d'essais, j'en suis totalement tarée. Je parle bien sûr de Mélimousse. Donc là j'en ai eu pour 59 €, mais bon j'ai mis le paquet hein, quand même. Et cette charmante demoiselle Émilie de chez Mélimousse m'a offert un petit cadeau, ce qu'on ne voit jamais, je veux dire effectivement c'est la troisième fois que je commande et elle a eu un geste, une boule de bain menthe poivrée en cadeau et j'ai trouvé ça super touchant et j'ai vraiment apprécié, donc merci à toi si tu écoutes cette, si tu regardes cette vidéo. C'est déjà ce que les autres marques n'ont pas tout simplement, je pense à ELF où on fait... J'ai du rouge à lèvres sur la dent. Bref, je pense à ELF où on fait des grosses commandes. Je pense à MAC qui est trop prestigieux pour faire des cadeaux. Je pense à Lush où il faut avoir bidé 10 pots pour pouvoir en avoir un, deux. Ouais, il faut avoir 5 pots pour pouvoir en avoir un malheureux. Ouais, et ben voyez, là pour... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 articles. 13 articles, j'en ai que pour 59 €. Sachant que, voilà, il y a des choses qui coûtent 1,90 €, il y a des choses qui coûtent 4 €. Faites-vous plaisir, essayez, mais s'il vous plaît, mais essayez, c'est super. Et franchement, si vous avez adoré les odeurs, c'est des choses bonbons, quoi. C'est des produits bonbons qui sentent des, qui ont des senteurs vraiment particulières. Et là, vous voyez, j'ai tout en bas, enfin sur la table. Et j'ai tout envie de me bouffer, quoi. C'est énorme, ça sent juste trop bon. Bon, alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé. En essayant de retrouver... Alors ça, c'est le bémol. Émilie, si tu m'écoutes, il faudrait vraiment que tu mettes des étiquettes ou quelque chose... Enfin, je sais pas, ça coûte peut-être trop cher ou je sais pas, mais... qu'on puisse s'y retrouver parce que finalement après on sait plus ce qu'on a commandé parce que bon, la pauvre elle doit être un petit peu débordée par son succès je pense. J'ai mis à peu près 3 semaines pour être livrée mais je suis tellement contente qu'elle aurait pu mettre 2 mois quoi. Donc même si j'étais hyper pressée. Alors donc j'ai commandé dans la première chose un cake de bain Cannelle in Love. Ça je sais lequel c'est puisqu'il est, il est trop choubidou. Alors voilà le Cannelle in Love. C'est ouf. Mais comment elle fait pour que ça sente aussi bon? Alors les cakes de bain, bien entendu, c'est ce que vous mettez, vous effritez dans le bain pour que ça sente bon et tout. Et en plus, c'est trop chou parce que vous avez des petites paillettes, quoi. Et des petits cœurs. C'est trop mignon. Alors, je suis totalement fan de ce type de choses, quoi. Et ça sent merveilleux. Oh, ça sent super bon. Et à travers le plastique, hein, je vais ouvrir histoire de me dire, parce que là je vais encore prendre 12 bains, parce que depuis que je suis grande fan de Mélimousse, je passe ma vie à prendre des bains. Donc c'est pas bon pour la planète, mais bon, c'est bon pour le moral. Oh, c'est un truc de fou, mais comment elle fait? Je crois, non mais sans déconner, je crois que c'est la première fois où je teste des produits qui sentent vraiment aussi fort et qui durent aussi longtemps sur la peau parce que bon, j'ai pas commandé que ça, j'ai des choses que j'ai déjà, que j'utilise déjà et c'est un truc de malade quoi. Ah ça sent super bon quoi, on a envie de passer sa vie à sniffer du Mélimousse quoi. Alors ensuite j'ai donc le cake de bain Cannelle in Love, comme ça c'est 3,90 €, mais vous voyez, il y en a pas que pour un bain et puis ça sent super bon quoi. Le cœur de bain passion, je suis quand même un peu embêtée parce que le cœur de bain passion, je sais pas lequel c'est. C'est peut-être ça, parce que c'est coloré. Bon bah c'est pas grave, on va regarder un petit peu. Donc les cœurs de bain, ah bah non je suis bête, cœur de bain c'est un petit cœur, donc c'est pas ça, c'est ça. Voilà, le cœur de bain passion, alors là je sens rien à travers, je vais l'ouvrir. Ah oui, oh la vache. Alors je découvre en même temps que vous hein. Mais c'est un truc de malade, on croirait qu'on peut le manger quoi. J'ai l'impression, alors première, ça sent le l'ananas, enfin quelque chose, on sent que c'est un fruit du soleil quoi, des vertes.
Oh là là, c'est un truc de fou, mais vous voyez ce genre de choses, genre à prendre un bain avec votre chérie, tranquillou, c'est juste plaisant quoi, c'est génial. Donc le cœur de bain passion est aussi à 4,90€. Ensuite j'ai la truffe de bain cookie nougatine. Ouais, je crois que c'est ça. Alors ça, ouais, c'est le petit bémol hein, de cette marque, c'est qu'on ne sait plus forcément ce qu'on a commandé. Et personnellement, aller retrouver sur le site pour savoir qui est quoi, ça me saoule un peu. Donc bon, c'est tout. Ah, hein. Oh, c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Ça sent... Oh là là, j'en ai mis sur mon nez, non? Ça sent quelque chose d'hyper gourmand, mais limite, on croirait que c'est de la meringue. D'ailleurs, je suis en train de tilter que c'est la même odeur que le sucre vanillé de chez Lush. Truc de fou, c'est la même odeur que la poussière d'étoile. Et je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que... Je connais cette odeur, mais c'est exactement la même odeur. Voir, ça sent encore meilleur ici, c'est ouf, quoi. Donc ça, c'est la truffe de bain cookie nougatine, donc à 1,90€. On a la boule de bain sucre glace. Ah bah non, ça doit être ça. Bah oui. Oh, je vous embête. C'est forcément la boule de bain sucre glace. Puisque ça a la même odeur que Lush. Que la poussière d'étoile de chez Lush. Et la poussière d'étoile de chez Lush, c'est du sucre vanillé. Donc c'est sûr. Sucre glace, boule de bain, c'est celui-là. Donc excusez-moi pour le prix. Donc on est à 3,90€. Du coup, la truffe de bain cookie nougatine, je ne sais pas. Bon, je crois que je vais... vous montrer tout simplement, j'ai le macaron chocolat banane, ça on reconnaît bien. Hein. Vous avez vu la taille du truc quoi? C'est aussi pour mettre dans le bain, c'est du sel de bain quoi, c'est... on va l'ouvrir. Oh là là, c'est un truc de fou. Je sais pas si je vous donne envie, mais regardez, on a l'impression que le chocolat, voyez le détail? Le chocolat, on a l'impression que c'est de la mousse, puis vous avez la petite banane. Ah là là, c'est un truc de fou. Mais j'ai vraiment envie de croquer dedans, quoi. Limite de lécher, voir si ça a un goût de banane, mais j'ai un peu l'air con à la caméra. Ah non, non, c'est vraiment... c'est ouf, quoi. Donc ça, c'est macaron chocolat banane. On est à 5,50€. On a le macaron coco vanille. Oh, c'est rigolo! Le macaron coco vanille! Ça me dit quelque chose, dites donc. Alors, je suppose que c'est ça, parce que j'ai l'impression que c'est de la noix de coco, là. Vous voyez? J'ai l'impression que ça donne un aspect de noix de coco, donc on va ouvrir. Regardez, c'est le macaron à mon effigie! Coco vanille. Ah ouais, c'est ça, mais sans déconner. Ah, c'est sûr que c'est ça. Ça sent la noix de coco, mais pas la noix de coco industrielle. Vous savez, vraiment la vraie noix de coco quand vous la coupez et tout. Regardez, il est trop chou, mais vous n'avez pas envie de croquer dedans, sérieusement. C'est des trucs pour le bain. Même à offrir, c'est juste génial. C'est trop original, quoi. C'est fait main, ça se voit direct. Moi, je suis complètement tarée avec ces produits. Hein. Je suis déjà en train de me demander ce que je vais commander la prochaine fois. Enfin... Oh, c'est fou. Alors, je sens très très bon en macaron, hein. Donc ça, le macaron coco vanille, on est à 5,50€. Ensuite, donc les macarons sont à 5,50€. J'ai le savon gommage pied... non, savon gommage miel et noix. Si, c'est ça. En fait, c'est un savon pour les pieds parce que j'ai un peu les pieds pourris parfois. C'est abominable comment je dis ça, mais dans l'idée, l'été, c'est bien d'avoir des beaux pieds, pas, voilà, pas de peau sèche, etc. Donc j'ai pris ça. Oh. Ah ouais, ça sent super bon, mais est-ce que c'est ça? Pierre Ponce, non, c'est pas ça. Porte. Non, c'est ça. Bah, alors, je reconnais pas spécialement la miel et la noix. Non, là par contre, je reconnais une odeur de citron. Je reconnais quelque chose qui sent le citron. Ah bah oui, je suis bête. Hein. Non, là, c'est le savon pied agrumes gingembre à 5€. Savon, bah ouais, bah voilà, c'est ce que je chantais. Je chantais l'agrume, quoi. Agrumes gingembre. Donc ça, c'est bien pour les pieds, c'est frais, je pense. Ensuite, donc, savon gommage, miel et noix. Ah bah c'est ça. Savon gommage, miel et noix. Donc là, on est à 5€.
On va l'ouvrir. Du coup, j'ai les mains qui sentent très très fort le citron et le gingembre, enfin les agrumes, donc je sais pas si ça va pas. Mince, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah! J'ai tellement hâte de sentir que je m'énerve après le truc, quoi. Voilà. Ah oui, là d'accord. Ça, c'est un savon de gommage. C'est exfoliant, ça se sent, ça se voit. Pour la texture. Comme ça. Alors, ensuite, donc c'est pas mon préféré. Je sais qu'il est, je pense qu'il est efficace. C'est pas mon préféré parce que moi j'aime bien les trucs qui sentent bon et qu'on a envie de manger, clairement. Alors, ensuite, j'ai le feuille de savon myrtille. Alors, c'est ça en fait, les feuilles de savon. C'est trop rigolo parce que, en fait, vous pouvez le mettre dans votre sac et voici ce que c'est qu'une feuille de savon. Si jamais vous n'avez pas de quoi vous laver les mains, vous avez. Oh, ça sent trop bon en plus! Vous avez. Oh! Vous avez la petite feuille de savon et puis vous avez un petit peu d'eau. Hein, vous avez, donc tout le monde a toujours de l'eau sur soi. Et même, je sais pas, même à la plage, je sais pas. Et c'est, je trouve ça vachement pratique parce qu'on n'a pas forcément de quoi se laver les mains. Et puis ça, c'est juste trop chou. Et en plus, c'est l'odeur qui tue tout, quoi. Donc ça, ça coûte 3,90€. Vous avez la, bon, moi, j'ai acheté une pierre ponce-pied. Hein, bon, ça, tout le monde connaît. Hein. Là, la pierre ponce, elle est pas très chère. Elle est à, voilà, elle est à 3,90€. Alors que j'étais allée voir en pharmacie, elle est à 8€, quoi. Donc pierre ponce, j'ai décidé de prendre grand soin de mes pieds en ce moment, donc ça c'est, j'avais commandé ça. J'ai une éponge de bain en forme de pomme que j'ai payé 3,50€ et ça c'est juste génialissime, regardez. C'est trop chou quoi. Et je me vois trop me prélasser, vous savez l'image de la fille parfaite dans son bain, me prélasser avec mon éponge de bain. Pardon. Alors ensuite j'ai un sépare-orteil gourmand. Oui je sais, je suis en train de faire une obsession envers les pieds. Regardez-moi ça. Girlie à souhait, c'est des petites pâtisseries. Vous savez comme on fait un peu en fimo, comme je fais en fimo, des petites pâtisseries comme ça pour les sépare-orteils. Vous voyez ça, c'est trop marrant quoi. Bon c'est du caprice, hein, ça sert vraiment à rien. Mais dans l'idée, c'est trop chou quoi. C'est trop marrant. Donc ça, les sépare-orteils comme ça. Donc on est à 2,90€. C'est du caprice. Mais j'adore. Et donc j'ai également donc, le porte-savon. Parce que je l'ai trouvé trop mignon. Le porte-savon, vous voyez, il n'est pas très cher. On est à 2,90€. C'est mignon quoi, avec les petits biscuits. Ça donne envie de croquer. C'est tout dans la gourmandise. Et moi, je suis adepte de ce genre de choses. Bon, à côté de ça, donc, j'avais déjà commandé d'autres choses avant. Mais je ne les avais pas encore ouvertes. Hein, faute de temps, pas d'envie. J'avais cette petite chose qui est, j'ai offert aussi qu'une de mes gagnantes au niveau de mes concours flash va recevoir. C'est en fait un mirion. C'est un miroir donuts. Vous pouvez l'accrocher genre à votre sac ou je sais pas. C'est trop marrant quoi. Vous voyez, c'est moi là. Vous voyez mon matériel. Et c'est trop rigolo quoi. Ça change des miroirs lambda. Puis c'est de la mousse, alors vous risquez pas de le casser, hein. C'est ça, c'est bien. Ensuite, j'avais pris donc de la crème pour le corps, mais alors ça déchire, ça sent la. Alors ils disent gingembre et fraise. Gingembre donc, mesdemoiselles. Gingembre et fraise, et ça sent super bon. Donc c'est pour le corps, hein, pour je suis douce. Et j'ai la dernière fois, je crois qu'elle me l'a offert aussi. J'en suis même pratiquement sûre parce qu'elle me semble pas l'avoir commandé. Et vu comment elle est choubidou, qu'elle prend soin de ses clients et tout, et qu'elle est remerciante, ça fait plaisir. C'est un savon qui sent la pomme. Ouais, ça sent la pomme. Clairement. Et c'est pas mal, c'est mignon, j'aime bien tout ça. Moi, j'ai pas encore ouvert tout ça parce que comme je suis sur le point de déménager, enfin, je sais pas quand exactement, puisque comme d'habitude, rien ne se passe comme je veux. J'ai pas encore ouvert tout ça parce que je me vois trop dans mon nouvel appartement avec ma nouvelle salle de bain, avec mes produits. Oh, sentir bon à longueur de journée. Et après une journée emmerdante, passer dans le bain à se délecter avec ces produits qui sentent bon. Pardon. Oh, décidément, je suis en plein craquage aujourd'hui. Je vous ai montré tout. Ah bah non, je vous ai pas montré ce qu'elle m'a offert, la petite demoiselle. La boule, vous savez, c'est quand même un gros cadeau quoi. C'est des grosses choses. C'est pas une petite boule comme ça.